Bonjour. La situation est critique et j'ai besoin de votre soutien, de votre aide, de votre écoute. Depuis deux ans et demi, je cherche du travail. J'ai un bon profil, j'ai fait des centaines de postulations, j'ai eu plein d'entretiens, j'ai fait plein de réseautages, j'ai été accompagné, j'ai engagé un coach. J'ai mis à jour mes compétences, j'ai refait mon CV des tas de fois, j'ai écouté les conseils des uns et des autres, j'ai travaillé sur moi, j'ai exploré toute une palette d'options, j'ai été actif en ligne. Et là, en octobre 2021, c'était la fin des indemnités de chômage. Et je n'ai toujours pas de travail. On se retrouve sans revenus, ma petite famille et moi. On se retrouve à taper dans les petites économies qu'on a pour continuer encore un peu. Mais cette vidéo n'est pas une longue complainte sur notre sort ou l'injustice de ce monde. C'est une vidéo d'espoir, de parcours initiatique, de dépassement du monde matériel, de découverte, d'aventure humaine, de confiance. Et de foi, et aussi de créativité et de famille. C'est une vidéo pour partager ça avec vous et pour vous demander votre soutien. Et la première chose que vous pouvez faire pour me soutenir dans cette démarche, c'est de donner de l'amplitude à cette vidéo pour qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Ce que vous pouvez faire pour ça, c'est déjà de liker la vidéo, là, maintenant. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube, là, maintenant aussi. Ensuite, regardez-la jusqu'au bout. C'est très important, jusqu'au bout. Puis, laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Dites-moi ce que cette vidéo évoque pour vous. Ce qui vous vient à l'esprit spontanément. Ce que vous avez envie de me dire. Écrivez-le dans les commentaires. Et finalement, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ça peut se faire en partageant directement depuis YouTube ou alors en partageant les publications que je vais faire sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous mettrai les liens directs vers ces publications dans les notes de la vidéo ici en dessous. Et encore une fois, vous pouvez y mettre... Quelques mots pour manifester votre soutien. Tout ça augmente énormément la portée de la vidéo. Merci beaucoup. Merci de faire ça. Un peu plus loin dans la vidéo, je vous expliquerai d'autres moyens pour nous soutenir. Mais revenons d'abord à cette situation. Ces deux ans et demi ont été durs, sous plusieurs aspects. Les espoirs, puis les déceptions. Ces moments où on se dit que le vent va enfin tourner, pour soudain se retrouver à terre, à nouveau. L'impression de travailler dans le vide et de n'arriver à aucun résultat. La comparaison avec mes amis, mes connaissances qui ont un bon job, une carrière, des responsabilités. Les remises en question, les confrontations avec soi-même. La solitude de cette recherche, malgré ma famille et mes amis autour de moi. Le temps qui passe et les projets qu'on ne peut pas faire, sans mentionner tout ce qui s'est passé à côté. Le Covid, le cancer de ma mère, mon accident de surf et les sollicitations de la vie de famille. Tout ça, vous pouvez l'imaginer, c'est un énorme stress. Pour moi, pour ma famille, il y a eu des moments, des périodes de désespoir, de vide, d'épuisement, d'incompréhension, de colère et des larmes, souvent. Mais en même temps, cette période nous a renforcés. Ça nous a énormément rapprochés, ma femme et moi. Et ça nous fait grandir tous les jours. Là, au fond du trou, dans cette urgence et cette incertitude par rapport à ce qui va se passer, tout n'est pas noir, loin de là. Et cette peur que j'avais à imaginer ce moment, eh bien, elle a disparu. Sur ces dernières semaines, ce sentiment profond que toutes ces épreuves nous mènent quelque part, qu'elles sont là pour notre bien. Ce sentiment s'est renforcé. Je vois tout ça plutôt comme un parcours initiatique, un parcours de révélation intérieure, que j'ai choisi, ou plutôt que mon âme a choisi, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que j'ai choisi tout ce qui s'est passé. Au fond de moi, Quelque chose me guide depuis longtemps, depuis toujours, dans ce processus de transformation intérieure, pour dépasser mes limitations, pour aller vers quelque chose plus en accord avec qui je suis et ce que je peux apporter au monde. C'est parfois dur d'avoir confiance et d'expliquer ça autour de moi, d'autant plus que ça fait deux ans et demi. Et d'autant plus que je ne peux pas vous décrire précisément ce que c'est la destination. Je ne le sais pas. Je peux quand même vous dire que c'est en lien avec l'aide aux personnes, les liens entre les gens, le dialogue, le changement, la transformation, la créativité, l'authenticité, la confiance et la vie, l'émerveillement. Dans cette période qu'on traverse, qui nous touche et nous ébranle tous, cette période où les anciens systèmes, les anciennes références ne fonctionnent plus, ne peuvent plus nous aider à avancer, il y a énormément besoin de ça, besoin qu'on s'entraide et qu'on arrive à se créer le monde dans lequel on veut vivre, individuellement, collectivement on va y revenir dans les prochaines vidéos parce que j'ai envie vraiment envie de vous embarquer dans cette aventure de vous en faire profiter maintenant vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui fait que en deux ans et demi je n'ai toujours pas trouvé de boulot malgré un bon profil du réseau des entretiens et de l'accompagnement je pense que c'est important que je vous partage ce que j'ai appris tout d'abord, j'ai vraiment de la peine avec les entretiens. Et en fait, avec plusieurs aspects de l'entretien. J'ai de la peine à me vendre, à faire ma promotion, à me mettre en avant. Malgré ce que vous pouvez voir dans ces vidéos YouTube, j'ai du mal à m'exprimer de manière structurée, simple et claire. Je suis un peu lent à la réflexion. Je n'arrive pas à me mettre dans ce script de forcer sur les points positifs et de ne pas mentionner mes difficultés. Tout ça, j'y ai beaucoup travaillé, mais c'est toujours très dur pour moi. Une deuxième chose, je suis ce que l'on appelle un multipotentiel. À ne pas confondre avec un haut potentiel, c'est autre chose. En gros, c'est une catégorie de personnes qui a des intérêts multiples, qui a des expériences d'une grande diversité, dans plusieurs secteurs professionnels, avec énormément de compétences, mais pas vraiment d'expertise fine. Ça fait que je peux faire plein de choses, que je me vois dans toute une variété de postes et de contextes, mais ça fait aussi qu'en face, on ne sait pas dans quelle case me mettre. Que ce soit en termes de profession, de secteur professionnel et de niveau de fonction. C'est déroutant. Avec ça, depuis 2015, je n'ai eu que des contrats à durée limitée. Et ça donne l'impression que j'étais en freelance tout ce temps. Ce qui n'est pas le cas. Je joue un peu là-dessus, notamment pour remplir les trous dans mon CV. Mais ça déroute aussi beaucoup. Et une autre chose encore. Je suis quelqu'un de plutôt doux, discret, respectueux, bienveillant, plutôt à favoriser la collaboration au lieu des rapports de force, à privilégier le dialogue plutôt que la contrainte, et à donner de l'importance à ce que les autres ont à apporter. Un de mes anciens chefs avait résumé ça très bien en ces mots. Toi, Timothée, pas quelqu'un qui mord dans les mollets. J'avais bien aimé cette image et en effet, je ne mords pas dans les mollets. C'est pas comme ça que je fais avancer les choses et c'est pas le genre de relation que j'ai envie d'avoir avec les personnes avec qui je travaille. Et ça, ça déstabilise aussi parce qu'on est quand même encore beaucoup dans des environnements avec de la hiérarchie, de la compétition et des rapports de force même si on prétend qu'on veut plus de coopération, d'interaction et de bienveillance. Bon, venons-en aux trois choses que vous pouvez faire pour nous aider, ma petite famille et moi. Tout d'abord, donner de l'amplitude à cette vidéo. On en a parlé un petit peu avant, allez-y, partagez-la. Et puis ensuite, nous aider à trouver un travail à ma femme et à moi. L'objectif immédiat, c'est de faire rentrer de l'argent pour subvenir à nos besoins. Je vous demande donc votre aide pour trouver un job alimentaire. Voici les critères. Que ça se fasse rapidement et simplement. Le périmètre, Lausanne et, disons, une heure de transport public autour. Qu'on me prenne comme je suis avec tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Une perspective plutôt à court terme. Ça veut dire qu'il faut être OK avec le fait que je partirai en ayant fini mon travail quand j'aurai trouvé quelque chose qui me correspond mieux. On peut aussi parler de missions courtes et là, on peut élargir le rayon d'action. Et voici ce à quoi je m'engage. Faire un travail de qualité consciencieusement. Être enthousiaste avec une attitude positive. Avoir une bonne relation avec les gens avec qui je travaille. Apporter des solutions. Comprendre rapidement le contexte dans lequel je travaille et ce que j'ai à faire. Avoir un intérêt pour apprendre. Être clair sur mes intentions et mes objectifs. Vous pouvez aussi être assuré que je finirai le travail sur lequel je me suis engagé. Et enfin, vous aurez une immense gratitude de ma part pour m'avoir aidé. Alors, j'ai besoin de vous pour trouver les opportunités comme ça et pour faire la mise en relation avec ces personnes qui pourraient m'engager. Vous comprenez que si j'envoie mon CV pour un poste pour lequel je suis surqualifié, je vais être directement écarté. C'est là que j'ai besoin de vous, pour établir un lien personnel et pour faire un peu de promotion, et pour amener les décideurs à considérer ma demande et à explorer les possibilités. Dans les notes de la vidéo, ici en dessous, je vais vous mettre le lien vers un document à télécharger. Ça comprend mon CV et une liste de ce que je peux faire. Ça fait beaucoup, je le sais. Mais dites-vous que peut-être une chose dans tout ça peut nous mettre sur une piste. J'insiste encore une fois sur le caractère urgent de ma demande et sur la focalisation sur un job alimentaire. Évidemment, si vous avez un super job à me proposer, je vous écouterai volontiers. Mais ce n'est pas la priorité là maintenant. Je suis là pour discuter de tout ça avec vous. Vous trouverez mon mail et mon numéro sur les documents. Une autre façon de nous aider, c'est d'aider ma femme, Shveta, à trouver un job. Vous trouverez son CV aussi dans les notes de la vidéo. Elle est là aussi pour en discuter avec vous. La situation va évidemment évoluer. Vous trouverez donc dans les notes de cette vidéo... Quelques lignes sur l'état de la situation que je mettrai à jour au fur et à mesure avec la date. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Rien qu'avec ça, vous m'avez déjà beaucoup aidé. Merci à vous tous qui m'avez aidé depuis tant de temps. Et merci à vous qui allez le faire encore. J'espère pouvoir vous rendre la pareille sous une forme ou sous une autre. Prenez soin de vous et des gens qui sont autour de vous. La vie est magnifique, même quand elle nous met à l'épreuve. Est-ce qu'on oserait aller jusqu'à dire spécialement quand elle nous met à l'épreuve Faitons ça, tous ensemble et tous les jours. Je vous dis à très bientôt.